4 octobre 2022. Me voilà au sommet de la Sangrore. 2559. Allez, on fait un tour d'horizon habituel. Donc on est dans les préalpes de Digne, on est parti de la haute vallée du Verdon. Hein, parce qu'on peut partir aussi de la vallée de la Bléone. Donc là en face, la tête de l'Estro. Pas de soucis. Sommet du Troma. Alors sommet du Troma. Ici, la tête de Chabrière, alors c'est le petit Bitonio là. Voilà, c'est le petit Bitonio à gauche qui dépasse à gauche, qui est moins haut que l'Antécime. Et ça, c'est la tête de l'Estro. Voilà, en face, on a le Caduc. On va y aller, on va faire on va continuer les arêtes, puisqu'on a, on a traversé, fait la traversée des arêtes entre le Mour de Simens et la Sangrore, et c'est rock'n'roll. Là, on voit la Céolane derrière, la grande Céolane. Allez, je dézoome. Voilà. Là, on a les Costes de Sangrore. On voit le Grand Bérard. Voilà, là, il y a le Grand Bérard et la Challenge. Après, on a la Fonsante. Les pics de la Fonsante. On a l'Aiguille de Chamberon derrière, au fond, là-bas. Allez, je vais pas tout faire. Hein. Là, c'est les petits et grands chevals de bois. Après, on a le Cimé, le Téton et le Pela. Allez, je vais zoomer. Voilà, le Cimé, le Téton et le Mont Pela. On continue. Un sommet que j'ai fait hier. La tête de l'Encombrette, voilà, au centre. Ok, allez, je bouge un peu. Là, ici, on a les sommets de la Fréma, le Queyras, Pelonnière de la Fréma, Dent de Lièvre, là-bas le Grand Coyer. Donc là, on part vers le sud. Et là, c'est là où c'est intéressant. On a le Mour de Simens avec Marie-Claude. Et là, on a la belle crête. Non, c'est bon. Très effilé qu'on a parcouru, surtout à cet endroit-là. Alors là, c'est chaud. Hein. Voilà. Donc là, on est plein sud. On voit le Mour de Chagny au fond. On voit la montagne de Boule. On voit la montagne de Cheval Blanc. Le Couard, le Cucuyon. Voilà, ici, Couard, Cucuyon, ici. Ok. Et puis au fond, là-bas, on a la montagne de Lure et le Ventoux, tout au bout. Voilà. Allez, je bouge. Voilà, là on est plein ouest. Là c'est la vallée de la Bléone. Hein. La haute Bléone. Au fond on a le Dévoluy. Petit zoom sur le Dévoluy pour finir. Avec le sommet du Troma à sa droite. Voilà le Dévoluy. Voilà. Et on revient sur l'Estro. Et le Can Sommital de la Sangrore qui est ici. Voilà, à bientôt pour une prochaine ascension.